quand j'étais petit, si je jouais pas au foot, je jouais aux voitures. C'est aussi simple que ça. Mon père, il a joué un peu pour beaucoup. Il avait à l'époque une Audi Quattro. Elle était rouge, elle était magnifique. La customisation, ça représente allez, beaucoup plus que 50%. Et ça compte énormément parce que c'est ce qui donne ta personnalité au final. Moi, personnellement, j'aime bien les choses qui brillent. J'ai des voitures qui vont être de couleurs vraiment différentes, qui vont briller énormément. La nuit, ce sont les vrais bails qui commencent. Pas de trafic. La route est fluide. C'est là que les loups sortent. Les loups ou les gamos. Ma collection, elle a commencé en 2010. Je jouais à Lille à cette époque-là. Et l'Audi TT, j'en avais toujours rêvé. C'était ma voiture préférée. Ça a été ma première voiture. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai gardé pas mal de temps. Je regrette de l'avoir vendu. Je l'avais personnalisé aussi. J'avais mis un kit R8 dessus et les porte-papillons aussi. Mon deuxième rêve, c'était d'avoir une Lamborghini. La première Lamborghini que j'ai achetée, c'était d'abord une Gallardo. Ma première Aventador, c'était la coupée. Et ensuite, j'ai eu la Roadster. C'est ma voiture préférée. Je pense ne pas avoir fini ma collection. Il y a deux voitures qui me plaisent énormément. Ce serait la Pagani Zonda et la Koenigsegg. C'est un objectif pour moi de les avoir, celles-là, dans ma collection. Je vais te présenter donc l'Aventador, ma voiture préférée, 700 chevaux. J'ai utilisé mes dons de créateur. Je suis créateur sur le terrain, mais des fois, il faut l'être aussi en dehors. Sur cette voiture, il y a un peu d'amélioration. À la base, c'est l'Aventador Roadster. Celle-là, c'est le premier modèle que j'ai acheté quand j'étais à Dortmund. J'ai fait quelques modifs. Donc, j'ai mis un kit Nero Design. L'aileron, béquet sur les côtés, porte papillon. La couleur, c'est or chrome. Mon logo, inscrit sur le côté. Ça fait partie de la personnalisation. J'aime bien me démarquer. Comme j'ai toujours dit, voilà, c'est avant tout un kiff. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, ça me plaît. Moi, c'est le plus important. On est sur NFS Studio. Et là, j'ai choisi l'Aventador S. Alors, on va la personnaliser. On va essayer de faire la même. Yes, carbone. Ça, c'est les lumières, les LED. Comme ça, j'aime bien. Bas de caisse, feu arrière. Ouais, ça me plaît. Plaque d'immatriculation, aileron. Mais c'est le même, là. Pare-choc arrière. Peinture. Chrome. Voilà. On est pas mal, là. Unbelievable strikes. What a goal.